Édifice emblématique de Nantes, l'ancienne fabrique de biscuits Lu est aujourd'hui le pôle culturel majeur de la capitale ligérienne. Le lieu unique à la scène nationale de Nantes, c'est un lieu de croisement, de présentation d'artistes, de spectacles vivants, d'expositions et de débats. C'est un peu à la croisée de la ville ancienne et la ville moderne, de la ville anciennement industrielle mais rénovée. C'est un lieu c'est un forum qui est ouvert 362 jours par an, de tôt le matin jusqu'à très tard le soir, où tous les publics peuvent se rencontrer, boire un verre, manger, aller au hammam, acheter un livre, faire la fête, puisqu'on a des grosses soirées club également, voir une exposition gratuitement le plus souvent. Donc c'est un lieu de transformation du regard, on l'espère. Il est désormais temps de faire l'expérience de la Movida nantaise. Du Kafka au hangar à bananes, en passant par la rue Jotte, il y a de quoi multiplier les expériences jusqu'à tard dans la nuit ou jusqu'à tôt le matin. Si le lendemain la tête ne tourne pas trop, allez faire un tour dans le quartier des Olivettes, à deux pas du lieu unique, et faites la découverte d'un jeune chef nantais et de sa cuisine d'hypersaison. J'ai ma colonne vertébrale de cuisine qui est végétale, j'ai besoin du végétal pour composer. Et après j'aime les contradictions, j'aime qu'il y ait des chocs de texture, des chocs d'acidité, des chocs de couleur, des chocs de saveur, pour que derrière il y ait une unité qui se crée. J'ai une cuisine d'hypersaison dans le sens où vraiment la carte est dynamique, elle change toutes les 6 semaines, et le menu Carpe Diem changeant tous les 15 jours, ça nous permet vraiment d'avoir un bouillon de saveurs différentes à chaque fois, mais en gardant vraiment les produits qui sont sortis vraiment de la quinzaine. Une meilleure façon d'avancer.